Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Cheikh Niass, l'État veut retirer la licence à Walfadjiri. Walfadjiri a tenu ce vendredi 17 février devant ses locaux un sitting pour dénoncer la coupure de son signal par le CNRA. Ainsi, lors de ce rassemblement qui a réuni les sympathisants de la chaîne de télévision, des activistes, des journalistes, des membres de la société civile, des parlementaires et des membres de l'opposition, le directeur a pris la parole ainsi que plusieurs autres personnalités. Dans son intervention, le directeur général et fils héritier d'Ahmed Khalifa Niass, fondateur du groupe Walfadjiri, n'a pas hésité à indexer le gouvernement du président Macky Sall. Selon Cheikh Niass, le projet de l'État n'est rien d'autre que de retirer la licence de Walfadjiri. Pour toujours, Biram Souley Diop, les députés de Yewi vont désormais accompagner Sonko à ses prochaines convocations. Les députés du groupe parlementaire Yewi Askanoui étaient ce vendredi 17 février chez Ousmane Sonko pour lui exprimer leur soutien absolu. Prenant la parole, Biram Souley Diop a dénoncé les événements qui se sont déroulés ce jeudi passé contre le cortège du leader de PASTEF Ousmane Sonko. Selon Biram Souley Diop, ils ont décrété qu'à partir de maintenant, qu'à chaque fois qu'Ousmane Sonko sera convoqué, l'ensemble des députés de la coalition Yewi viendront le soutenir. Pour toujours, 143e appel de Seydina Lima Moulay, la paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Lima Moulay, c'est le thème de la célébration de la 143e édition de l'appel de Seydina Lima Moulay, prévu les mardis 21 et mercredi 22 février. À cet effet, le ministre de l'Intérieur a convoqué une rencontre qui a réuni le comité d'organisation, les autorités et structures étatiques concernées par l'organisation de cet événement religieux. Pour toujours, la population de Mbodien ne veut plus cohabiter avec Sainte-Mine. La population de Mbodien s'oppose unanimement au renouvellement du contrat de Sainte-Mine après tant d'années de cohabitation dans la souffrance, l'injustice d'agression de son environnement. En ce sens, l'Union des jeunes de Mbodien compte engager des actions pour combattre le maintien de la présence illégitime et malsaine de Sainte-Mine à Mbodien. Pour toujours, en Soussané, bénit la candidature de Macky Sall en 2024. Depuis l'arrivée du président Macky Sall, le Sénégal a fait plusieurs pas en avant en direction de la santé des populations, des infrastructures dans le cadre du pouvoir d'achat. Il est le chef de l'État qui est parvenu à ramener la paix en Casamance. Il est parvenu à désenclaver cette région, tels sont les propos du président du mouvement Anne-Ligue Sagor Jigenshor en Soussané, DG de l'ANRAC. Ces réalisations présidentielles montrent à suffisance la volonté du chef de l'État à faire émerger le Sénégal. Pour toujours, des parlementaires américains appellent à rejeter une vente d'hélicoptères au Nigeria. Deux parlementaires américains ont appelé l'administration du président Joe Biden à revenir sur un contrat d'armement passé avec le Nigeria en raison d'inquiétudes sur le respect des droits humains au sein de l'armée nigérienne. Le Congrès a repoussé sa prise de décision concernant cette vente d'hélicoptères militaires pour 1 milliard de dollars au Nigeria, où les forces armées sont accusées d'avoir mené depuis près de 10 ans un programme d'avortement de masse pour les femmes rescapées des groupes djihadistes. Pour toujours, le bureau du CNZ doute de la blessure de bombardier. Le comité national de gestion de la lutte a mis en doute la blessure du champion de Moura. Serigne Ousmane Dia dit bombardier à la suite de son combat avorté à cause d'une blessure face au géant du Baol Tafatine. Ses membres ont demandé à la commission médicale de prendre un expert pour examiner si cette blessure a été contractée avant ou durant le combat. Pour toujours, l'affaire Barça arbitre, 6 millions d'euros finalement versés par le Barcelone à José Maria. Liga, le FC Barcelone n'aura pas versé quelques 1,4 million d'euros, mais plutôt de
6 millions à un ancien vice-président de la Commission espagnole des arbitres. Nouvelle révélation explosive en espagnol alors que le FC Barcelone est suspecté d'avoir versé 1,4 million d'euros à José María, ancien vice-président de la Commission espagnole des arbitres, via sa société Danznil 95 entre 2016 et 2018. El Mundo révèle vendredi que ses versements atteindraient finalement plus de 6 millions d'euros et qu'il aurait débuté en 2001. Pour toujours, Turquie, Christian Adzu quitte le pays avant le séisme. À l'heure actuelle, le bilan du violent tremblement de terre qui a frappé le Turquie et la Syrie le 6 février fait état de plus de 40 000 morts. Malgré ces chiffres, de nombreuses familles ont toujours espoir de retrouver leurs proches vivant sous les décombres. Cette flamme d'espoir est aussi entretenue avec les proches de l'international ghanéen Christian Adzu. Tafa Actu, le 18 février 2023, l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.